Quand avez-vous remarqué l'odeur venant de l'entrepôt? Il y a environ une heure, et je vous ai appelé immédiatement. Vous pensez à un acte criminel? Criminel? À vous de me dire. Oh mon Dieu! Ah. Oh! Maintenant, je connais l'odeur d'une tonne d'oranges pourries. On peut dire que ces fruits ont mal tourné. La société Orange Orange. C'est le vrai nom d'une entreprise? Sans doute une couverture. Pour un cartel. Un cartel de fruits? En bas de l'épreuve. Allons voir ce qu'en pensent nos amis du labo. La mystérieuse société Orange Orange. Capable de faire pousser n'importe quelle variété. Navelle, Valence, Mandarine, Minéolas, Caracaras, Meurcotte, Tangelos et j'en passe. Mais ils n'ont pas réussi à les vendre. Jetez un œil à leur brochure. Vous ne remarquez pas quelque chose de bizarre sur ces oranges? Elles sont jaunes? Et personne ne veut acheter de citron à la société Orange Orange. Exactement. Leur vraie erreur a été d'acheter cette cartouche de toner bon marché. Regardez ce mauvais matériel, ce toner mal pigmenté. Ils auraient dû utiliser du toner HP LaserJet. Chez HP, 70% de la technologie se concentre dans la cartouche, avec des pigments plus précis et de meilleures techniques pour les mélanger. Les couches de magenta et de jaune se déposent progressivement pour obtenir des oranges plus précis de la première à la dernière page. Il y a même une micro-puce qui règle les paramètres internes de l'imprimante pour garder la même qualité au fil du temps. On dirait que la société Orange Orange a des efforts à faire en matière de teneur. En effet. Quelqu'un veut un petit jus de fruits ?